Bien, yo tout le monde les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation tuning de la Pegasi Reaper, voilà. Donc je vous ai fait le tuning de la FMJ, donc là j'ai fait aussi la Pegasi Reaper. Donc, je ferai également la Bestia, pour ceux qui veulent le savoir. Donc qui coûte pas vraiment trop cher, 600 000 $, ça passe. Et avant la Bestia, je vais... je vais faire la Bestia. Puis après je vais faire en fait là, à l'heure où je fais la vidéo, quand je suis connecté, j'ai aperçu une petite nouveauté dans le... Legendary Motors, donc, et voilà la Grotti X80 Proto qui est enfin arrivée. Donc, il y en a plusieurs qui ont fait des mois et tout ça, mais c'est vraiment un véhicule qui va vraiment, vraiment rapidement. Elle coûte assez cher comme vous pouvez voir. Donc, elle bat facilement niveau vitesse la T20, je crois, de 1 seconde, ou quelques centaines de secondes, je sais plus. Bon, il y a quand même 500 000 $ de différence, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même un peu, un tout petit peu. Enfin bref, donc du coup là on n'est pas ici pour parler de la Grotti, mais on est là pour parler de la Pegasi Reaper. Donc vous pouvez voir, j'ai fait le tuning sec de la musique juste avant. Donc là, comme vous entendez au bruit du véhicule, j'ai mis le turbo, donc j'ai amélioré les moteurs niveau 4 et tout ça. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Bon, on va bien tester la vitesse de pointe vu que je suis un peu à fond là. Elle va à peu près à... Ouais, à peu près à la même vitesse que la T20, un peu plus. Non, ouais, même vitesse que la T20. Bon, on n'a pas monté, mais c'est à peu près la même vitesse que la T20. Bon, il y a un peu des tâches et tout ça, bref. Bon, alors du coup, là, je vais juste faire la présentation vite fait du véhicule en détail, donc avec le sniper, comme j'ai fait précédemment. En commençant par l'arrière, toujours. Donc, là, les moteurs toujours à l'arrière, évidemment, avec cette fois-ci, on a l'impression des plaques de carbone, donc ce qu'ils ont les Lamborghini. Clairement toujours derrière derrière les véhicules comme ça. Ensuite, du coup là les pots d'échappement j'ai pas pu les modifier, donc cela de base. Mais attention, je les trouve assez beaux, donc je pense que je les aurai laissés. Petite particularité du véhicule aussi, je veux juste faire avec le nouveau truc qu'il y a eu aussi, porte du véhicule, on va toutes les ouvrir. Voilà, ensuite il y avait un autre, voilà, ça, moteur avec. Voilà, phare avec, évidemment, non avec. Et néon avec, donc ça c'est vraiment un truc de ouf que je trouve qu'ils ont mis. Je m'amuse toujours avec ça, c'est un truc de ouf ça. Bon, ce véhicule est vraiment, vraiment aussi en distance du véhicule. Voilà, alors phare avec, voilà, et néon avec, parfait. Donc vous pouvez voir qu'en fait ici il y a les deux petits phares arrière, et en fait quand on freine il y a le phare ici qui va s'allumer. Donc ça c'est pas trop important. Donc là la rayure, sur l'aileron, je trouve qu'il est en spécial, il y en a pas beaucoup sur ce genre de véhicule, quelques-uns je crois, mais c'est un aileron assez rare. Ensuite là le pneu, ça c'est un truc personnalisé. Donc là à l'intérieur, on regarde vite fait, donc là le levier de vitesse, là des boutons avec des trucs à cigares. Ensuite la radio ici, bon là les trucs, voilà, là la boîte à gants, là bas le volant évidemment. Ensuite donc là les phares, ouais, donc rien dans le coffre, on va dire, vu qu'il est un peu à l'avant, c'est un peu bizarre parce qu'ils ont les Lamborghini, mais je trouve ça toujours stylé. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai mis en violet, en fait je trouve que c'est la couleur qui est adaptée le mieux à ce véhicule. Personnellement, ouais, donc je trouve c'est vraiment le meilleur véhicule. Bon après il y a aussi un truc que j'adore vraiment, bien dit, option véhicule à distance, allez. Voilà, moteur, non. Déjà vous avez pu entendre le bruit. Voilà. Alors du coup vous pouvez voir devant, c'est vraiment un véhicule vraiment beau. Pour moi en tout cas, je trouve que c'est le plus beau du véhicule du DLC, et aussi le véhicule de GTA 5 tout simplement. J'ai pas d'autres mots pour dire ça. Bon, l'arrière je kiffe aussi, ouais, on va dire. J'allais dire un peu moins, mais en fait c'est tout aussi beau. Bon, j'ai mis en violet, je trouve que c'est vraiment une peinture qui lui va vraiment à merveille personnellement. Après il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué juste après l'avoir acheté, mais qui me fait encore plus aimer ce véhicule, c'est tout simplement le bruit du moteur. Attention, écoutez bien. Voilà, pour moi je trouve tout simplement qu'il est vraiment magnifique ce bruit. Et après il y a aussi le bruit que quand on accélère, attendez, faut juste que j'ai sur la route, parce que là avec les bruits de terre et tout ça, ça va pas trop le faire. Donc alors voilà, ici, donc là on se met là. Bon, voilà. Non, en fait c'est un peu un bruit classique,
C'est juste qu'on démarre un peu. Enfin bref. Du coup, ouais, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, je trouve. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, il y a encore plein d'autres choses à dire, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Super. On va juste encore peut-être regarder l'intérieur. Bon, alors là, le volant aussi, ouais, évidemment. D'ailleurs, j'étais jamais passé trois ces endroits de la map. Je suis plus à Los Santos. Jamais vraiment dans les déserts, tout ça. Bon, après, vous pouvez changer la couleur. En rouge, elle est aussi pas mal. Vu que j'avais déjà mis la Pégasie en rouge, je voulais pas la mettre. La Grotti Bestia, je pense que je vais la mettre en verte. Ça me paraît une couleur plutôt pas mal. Pour cela, voilà. Bon, du coup, le mauve, c'est vraiment une couleur que je trouve qui lui va vraiment à merveille. En fait, j'avais vu le tuning d'une Lamborghini et j'ai repris cette couleur que je trouve vraiment magnifique. Bon, là, je fais carrément du tout terrain avec une Lamborghini. Bon. Alors, on va juste se mettre sur la route à peu près. Et voilà, parfait. Alors, le petit dérapage des familles qui va bien. Ok, donc les gens, moi j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à me dire si je dois améliorer des trucs dans la vidéo et tout ça. Et donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous bapisse. Cimer.